Monsieur le préfet de Koya, je tiens à préciser que vous avez cette femme patente, cette femme patriote. Je vous remercie, la fondatrice du colère et professionnelle de l'université Amadou Dieng, Hadja Ramatoulaye Sow, dans sa délégation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les Amadou Dieng. Je précise également dans la loge officielle la présence de Madame Teta de l'impôt de Koya, elle est déjà dans nos murs. Bienvenue, maman. Mesdames et messieurs, le préfet qui est en train de faire la head honneur du côté de la notabilité de Soumbouya et de Koya. Vous continuez devant. La grande tête, merci la présence de la RTG Coloma. Je veux bien nommer le professionnel, le spécialiste André Dantouma, il est parmi nous. Merci d'être venu. Voici la grande dame, la dame patate qui se dirige vers la loge officielle, Hadja Ramatoulaye Sow, la fondatrice des écoles Amadou Dieng. Alabé, Sonkonia, Amania, monsieur le préfet, avec sa suite, le député Sekou Kamara, semblé le secrétaire général de ce Kaba. C'est bon. Souma, oui. Il se dirige vers la loge officielle et la voix des 100 voix, oui. L'honorable député Sekou Kamara dans la, oui, délégation, oui. Monsieur le préfet, je vois le général Taba, les grandes personnalités.
au niveau de la préfecture de Koya. La gendarmerie de l'habitat. Ah, ça c'est important. Sa mobilisation des hommes habillés. Commandant Mama, ça va. Oui. Gendarmerie détachée au niveau auprès de l'habitat de Koya. La direction préfectorale de l'habitat, il faut le préciser. Est-ce que oui, c'est l'armée qui passe. Moi je m'éloigne. Voilà. Et parce que quand on parle de l'armée, moi je m'étache. Oui, parce qu'ils sont pas à tout moment. C'est vrai. Oui. Ah oui. Là c'est l'armée, moi je me cache, je fais non. Tu peux aller comprendre le reste. Oui. La défense de la patrie. Avec la jeunesse, merci, Splatin, Sablea, Rai, Plateau.
plateau. Oui. Allez, vous avez un plateau. Oui. Raid dispensaire. Oui. Oui. C'est une mobilisation. Ça, c'est une considération. Ça, c'est important. Merci, Sanéa. Merci vraiment, Sanéa. Merci vraiment. Merci beaucoup, Sanéa. Nous sommes très fiers de cette mobilisation de la part de la population de Sanéa. Une considération légale à la tête. Merci à ces jeunes motivés et encouragés, déterminés. Pour le 60e anniversaire d'un front de notre pays, la Guinée, je suis à l'écoute. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a plus d'une dizaine de radios et de télé, il y a la presse en ligne, la RTG, la télé et la radio. Je vois où il est juste de qui est là. Je vois aussi le fouilleur. Voilà. Et puis, à la Renaissance, c'est libre. Merci, merci, merci. Gardez la main. Oui. Mon père de Bachille. Maman, gardez la main. Le gardez la main. Souvent, est-ce qu'on... Il faut également parler du projecteur qui le prend. Ah oui. Les jeunes ils sont là. C'est intéressant. Projecteur qui n'a pas encore, merci d'être venu. Et il y a vraiment la vision aussi. Le quartier Sommeil à Plateau. Sommeil à Plateau à présent. Les jeunes s'intéressent à la fête de l'indépendance. La célébration de notre fête nationale offre l'agréable occasion de m'adresser à chacun d'entre vous en ce moment symbolique chargé de fortes émotions dans la vie de notre nation. Le 2 octobre est, pour nous Guinéens, un jour de commémoration, de réjouissance, de cohésion et de remobilisation. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre nation est d'abord l'occasion de rendre hommage à nos aïeux, les plus célèbres comme les plus humbles, qui ont porté les idéaux de liberté, de cohésion nationale et de prospérité partagée. Aujourd'hui, nous en sommes tous les héritiers. Au bout d'un processus de patriotisme remarqué, notre jeune République entra dans le concert des nations le 2 octobre 1958 avec à sa tête le président Ahmed
Sékou Touré et une dynamique équipe composée de 10 patriotes fils de notre Guinée natale. Mesdames et messieurs, le 2 octobre 2018, marquant l'an 60 de notre indépendance nationale, placé sous le signe de la souveraineté assumée, me donne l'opportunité de féliciter et souhaiter nos meilleurs vœux d'excellente santé, de paix et de quiétude sociale à l'ensemble des populations de Koya. Elle me donne aussi l'occasion de remercier à travers le peuple de Guinée pour les efforts consentis par nos braves et valeureux fils dans la difficile bataille de libération des peuples d'Afrique. C'est pourquoi, du haut de cette tribune officielle, j'interpelle la confiance collective de tous les Tumbuyaka pour plus de bénédictions pour le repos de la, dans le paradis des pierres d'Évancier, architectes de notre indépendance. Je veux nommer avec déférence les regrettés Feu Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Lansanabe Yabogi, Mbalia Camara, Hadjama Koli Kangoura, Lopo Camara, Madera Keita, Bari Diawandou, Ibrahima Bari Dibra Bari Touwa, qui ont incarné un leadership extraordinaire et relevé le défi de leur époque. Chers invités, Madame et Messieurs, le Président et la Présidente d'honneur, Madame et Messieurs, la Marraine et le Parrain, Mesdames et Messieurs les invités de marge, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, chers participants, représentants des sociétés industrielles de la place, vous avez bien voulu partager nos joies et vous nous avez fait l'honneur de venir célébrer avec nous cette journée historique. Aussi, des relations d'amitié seront-elles faciles à nouer demain entre notre préfecture et chacune de vos entités que vous représentez ici. Vous qui voyez autour de vous l'immense enthousiasme qui s'empare de toute la population, vous qui sentez notre désir de bien faire et de réussir, je vous demande de faire connaître au monde cette image pleine d'espoir que vous emporterez de Koya et qui est sa vraie image. Mes chers concitoyens, la fête nationale, c'est aussi et surtout celle de nos forces de défense et de sécurité. Leur sens républicain du devoir et leur engagement patriotique doivent continuellement se renforcer pour plus d'efficacité dans l'accomplissement de leur mission régalienne, noble et exaltante. Mesdames et messieurs, en ce jour solennel, c'est le lieu et le moment de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État. Je veux nommer le professeur Alpha Condé, bâtisseur, homme de changement, pour ses gigantesques œuvres réalisées et entamées ça et là pour le bien-être de l'ensemble du peuple de Guinée, de la sous-région et la reconnaissance des bienfaits de ses prédécesseurs. Mesdames et messieurs, notre préfecture Koya, à l'instar des autres préfectures de la Guinée, connaît un changement visible et palpable depuis l'avènement de la Troisième République, à savoir la construction de l'autoroute 2x2 Koya-Conakry, le but d'image de la voie urbaine, l'implantation des lampadaires pour l'éclairage public et j'en passe. Dans le cadre de la préservation de nos acquis précieux, du maintien et de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale, en prélude à la mise des organes exécutifs, des conseils communaux, je lance un appel présent et patriotique à l'ensemble des leaders politiques, militants et sympathisants à toujours faire preuve de maturité politique pour un développement harmonieux. Mesdames et messieurs, honorables invités, sans pour autant abuser de vos instants précieux, je voudrais vous remercier très fraternellement pour votre forte mobilisation à cette historique cérémonie. Remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé pour ses nombreux efforts consentis dans le développement et le rayonnement de la préfecture de Koya et le réitérer notre attachement indéfectible à son projet de société. Bonne passion et au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et du gouvernement de la République, je me fais le devoir
de vous présenter en leur nom leurs vives et chaleureuses félicitations pour la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Je ne vais rien anticiper, ce n'est que l'entame d'une série d'activités. Tout de suite, nous allons nous rendre sur la place publique où le message de l'anniversaire sera prononcé et en liesse populaire, les citoyennes et citoyens vont partager ces instants de joie, mais aussi de souvenirs. Nous venons de faire la pose de la gerbe de fleurs à nos martyrs. Ce n'est pas pour rien, c'est symbolique et significatif. Nous nous réjouissons de participer aux cérémonies commémorant le 60e anniversaire de notre indépendance. C'est au prix de la sueur des fronts et du sang de nos devanciers. C'est pourquoi chaque moment d'anniversaire est un moment de joie, de fierté, mais aussi de souvenir. Donc, sans anticiper, à tous et à chacun, bonne fête anniversaire 2018.